Bonjour YouTube, bienvenue sur la partie 2 de Tunic. On a récupéré l'épée. On doit a priori faire sonner des cloches diapason. Mais je pense qu'on doit aussi trouver le bouclier. On l'a entreaperçu la dernière fois et je ne sais plus où. Peut-être que la carte pouvait nous le dire. Temple scellé. Je crois que c'était peut-être derrière la cascade. C'était peut-être... là, non? Bon, c'était bien ici que j'avais vu le bouclier. Est-ce que taper dans le diapason, maintenant que j'ai l'épée, ça ferait pas quelque chose de nouveau? Je crois pas que ça fasse le même bruit. Je pouvais pas y aller. C'est juste un raccourci. Peut-être qu'on devrait revenir en arrière. Tu vois, par exemple, là. Encore un truc pété. Pas quoi faire avec le puits. Alors... on a déjà vu que si j'avais plus d'endurance, je subissais plus de dégâts. Apparemment, je peux pas bloquer non plus. Ouais, vraiment, ne plus avoir d'endurance, c'est nul. Tu peux pas faire de technique spéciale, mais j'en ai pas. Stabilité, j'ai pas bien compris ce que c'était. Alors, épée, bâton, bouclier, bombe... bombe. Bombe de glace. Bombe. Bombe de feu. Clé, fruit, piment rouge, lierre, effigie. Il y a même des trucs écrits au stylo, j'avais même pas fait gaffe. Le leurre, pièce d'or. Objet magique. Potion magique, il y a écrit point de contrôle. Donc peut-être que mes potions... peut-être que les régènes que j'ai récupérés avec les potions se rechargent aussi avec le point de contrôle. Il paraît que lancer beaucoup de bombes permet d'obtenir une récompense, alors n'ayez pas peur de les utiliser. On dirait qu'il y a des flacons cassés là où il faut remettre... on en a eu cette espèce de poudre là.
Wow. J'imagine que là-bas, il faut une clé. Ouais. On était déjà venu, voilà, par l'autre côté, et j'ai pas pu continuer. Et là-bas, on y a mis les pieds. Mais j'ai fait demi-tour. Parce que trop dangereux. Non, 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 j'aime pas ça. J'aime pas l'idée. J'aime pas trop cette idée. Il est où mon bouclier, là, hein? Je vais au bouclier, là. C'est sûr, c'est le chemin du boubou. Hein. Ça arrive fort. Bizarre cet endroit, je trouve. Ça me saoule, je vais de passage secret en passage secret là, je sais pas où je vais. Invocateur, ces gardiens du sanctuaire ont appris un peu de magie, leur bougie peut être éteinte. Spirit et Safarak, ne vous laissez pas berner, les marques sur leur dos est une ruse. La marque sur leur dos est une ruse. Alors, on voit ces espèces de... de choses là. C'est le chemin que j'ai pris, ça. Je crois. Chemin rose là.
Je crois que c'est le chemin que j'ai pris. L'atoll en ruine. Oh, il y a quelque chose dans le ciel. Donne-moi mon coffre, toi. C'est un chiffre... Un chiffre... Je suis au bout du passage secret là. Il n'y a pas de passage secret dans le passage secret du passage secret. Ah, il a la clé lui. Il a une clé. Alors, je sais pas pourquoi, mais il a une clé. Trop tôt. Est-ce que ça va me régénérer mes potions? Oui. Donc faut pas que je... Pas que j'hésite trop à les utiliser. Du coup, il y a quoi ici? Ah, c'est tout aussi mystérieux. Je vais prendre ça. Ok. Je sais pas si je lui achète plus, mais... Au revoir. Inattendu, ouais, comme marchand. Ça, c'est bizarre. On m'a dit faut pas hésiter. J'hésite pas.
Bon, une nouvelle clé. Vieille demeure. On a vu sur la carte où c'était. Salut, ouais. Une effigie, c'était ça? Ça, j'imagine que c'est pour le grappin. J'ai vu qu'on avait un grappin dans le jeu, mais... Pour l'instant, je sais pas. Vieille demeure. Il y a quelque chose noté au stylo. Donc c'est vraiment là où j'étais, quoi. Vers le puits, le moulin... C'est quoi ce bordel? Ah, ça fait apparaître encore un diapason. Putain, mais à quoi ils servent ceux-là aussi? Encore un objet inconnu. Ouais, j'aime bien le principe du livret. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu méta où on est un jeu dans le jeu. Le fait qu'il y ait vraiment un livret de jeu comme ça... Est-ce que c'est juste un effet de style ou est-ce que ça a une vraie signification ? On était de l'autre côté, non, de cette rivière. Donc ici, on est de retour. Voilà, on est de retour à cette maison dont je viens d'obtenir la clé. C'est bien. On a ouvert un raccourci. Bonjour Louane. J'ai l'impression d'être un enfant devant son premier JV à ne pas lire et ensuite se plaindre de ne pas comprendre. Ou juste de ne pas savoir lire en fait. Merci Lukinexi pour ton Prime. Bonjour Zuko TV. But du jeu, bah écoute, explorer. Je pourrais pas en dire plus. Je ne sais pas. Et lire le titre, je suis pas sûr que ça aide non plus. Pas pourquoi tu dis ça, Elkas. Y a pas le but du jeu dans le titre, si? Putain, les coffres là, déjà pris.
Ah, quelqu'un demandait le nom du jeu. D'accord. J'ai cru que tu répondais à quel est le but. Genre, bah, j'ai pas écrit le but. Donc, j'étais sur le point de t'attaquer. Genre, y a pas à répondre comme ça aux gens, en fait. Je vous ai pas éduqué comme ça, là. Putain, il y a tous ces machins, là. Le but du jeu est de trouver le but du jeu. Je connais un jeu où... où il y avait ça. Question répondue, c'était bien, quel est le but? Bah alors, putain, vous me cassez les pieds là. J'allais me soigner. Vas-y, vous me saoulez là, ça y est. Arrêtez d'écrire. Le bouclier, il arrive fort. Arrêtez de vivre. Arrêtez de vivre. Waouh. Je ne sais pas, on dirait qu'il faut, on peut y mettre quelque chose. Salut Chuffy. Ouais, on dirait peut-être des trophées, je sais pas. Bon, j'ai mon bouclier, c'est bien. Faudra encore savoir s'en servir. Ici, c'était sombre, non? Ah non. Ça, je savais pas ce que c'était non plus.
Ouais, je découvre, hein, je découvre. Faut surtout pas m'aider. Vous allez vous faire ban de toute façon. Si quelqu'un essaye de m'aider, c'est le ban. Théistique, c'est sombre. C'est ici. Salut Flazer. Ah mais il suffit pas, enfin, ne pas connaître le jeu ne vous sauve pas de ne pas m'aider, enfin, vous pourriez avoir une suggestion. Ouais, le bouclier, je sais pas encore. Ah, oh, tu fatigues, toi. Oh merde. Oh, il y a de la durabilité. Cancel, cancel, cancel. Je sais pas sur quelle console il est, là j'y joue sur PS5. Mais je pense qu'effectivement il est un peu partout. Ah merde! Oh, le timing. Bon, je suis pas trop chaud pour aller là-bas. Hein. Un petit piment. Se mettre dans le huc. Quoi? Faites pas ça, vous? Bizarre. Pourquoi je cambre? Je pense l'idéal c'est de peler un petit peu le piment avant insertion.
pour vraiment que les sucs. Je pense. Il faut que les suc-suc, c'est ça. Bonjour To, bonjour Roxy Panda. Donc qu'est-ce que je fais, moi? J'ai l'impression que dans la vieille demeure que j'ai ouverte, il y a peut-être autre chose, parce que il y a un truc marqué au stylo, là on dirait une note de musique. Là, il y a un point d'interrogation, c'était le tout début du jeu, je crois. Là aussi, il y a quelque chose au stylo. Ouf, ça m'a fait peur. Ça va plutôt bien aujourd'hui, To. Mais je pense que tout peut partir très vite. Si quelqu'un me trigger dans le chat. Je vous banne. Le ban nous sauvera. Mieux qu'hier en tout cas, ouais. Où est-ce que je vais ? Celle-là, par contre, je sais plus, parce que... J'ai même pas essayé de faire ça. Je pensais que ce serait tout simplement fermé. Ça m'a tué ? Cette porte me fait penser à quelque chose, mais je vais peut-être trop loin. Ça me fait penser à un composant électronique, en fait. Le fait qu'il y ait aussi ces espèces de RGB là, ces couleurs de pixels. Mais je vous dis, j'ai peut-être trop loin dans mon idée dès le début où j'avais l'impression d'être dans un jeu. On a fait une petite sieste.
vais retourner au tout début. Sur la carte ici, il y a un point d'interrogation. Perdu là, je suis déjà venu, c'était un coffre déjà ouvert ça. Je me souviens plus moi. Salut Wolver. Je sais pas si je fais le platine pour l'instant. C'est trop tôt pour savoir ça. Ouais, je suis déjà venu. Mais il y a des chances, ouais, qu'on fasse le platine. Parce que j'aime bien. Là, j'ai ouvert un raccourci. Putain, je sais pas où aller. Non, non, par contre, ça se finit pas en un jour. Et non, je veux pas savoir où aller.
Oui, j'ai check un petit peu sur How Long to Beat. Mais en fait, j'ai pas dit qu'il était court, c'est simplement, je crois qu'on en avait parlé. Quand j'ai regardé sur How Long to Beat, j'ai trouvé que il était plus court que ce que je pensais en fait. Mais quand même, il y a des choses à faire. Il est pas court. Surtout si t'es paumé, parce que peut-être que les runs sur How Long to Beat, c'est des gens qui savent où aller, forcément. Je crois que je me suis pris ma propre bombe. Salut Dodge. Je vais réessayer là-bas. Merde, j'étais rentré. Ah, ça vient ça. Prends le truc. Oh non, c'est sérieux ça? Ok, j'ai la technique là. Belle technique. Mais vas-y, mais vise mieux toi aussi. Quoi? J'ai pas compris le jeu. Ne le dites pas, hein. Vous allez vous faire ban. C'est super, merci beaucoup. Bah oui. Bah oui. J'ai récupéré une bombe, donc a priori, je pense que ce que j'ai gagné là, c'est le droit d'avoir une bombe quand je revive. Ça fait chier là, casse-toi.
Joue pas au basket? Comment ça, joue pas au basket? Ça tombe bien, c'est pas du basket. Pour la viser. Ouais. C'est marrant, ouais. Je ne sais pas où aller. Est-ce que je retourne vers la forêt? Ou bien, il y a le puits qui est là. J'avais ça. Perdu. J'ai fait quoi jusqu'à présent? Je sais pas. Récupérer l'épée et le bouclier? Je saurais pas dire. C'est l'Unitnel. Ça va. Ça va. Je suis un peu trigger par les messages dans le chat, mais je suis peut-être un petit peu susceptible. Le puits. Ah mais ça c'est la sortie du puits. C'est pas le puits. J'ai fait sonner une cloche à l'est. Ouais. Salut Super Tony. Bonjour. Pas d'inspiration pour un message et une fatigue les générales d'Aireux. Mais ça va. J'espère que vous aussi. Moi ça peut aller. Merci beaucoup pour ce tiers de ce 36e mois. Les générales. Non, mais vous parlez pas trop, c'est juste que moi, je suis... Je vous prête des intentions, parfois, alors que vous en avez pas... Enfin, je suis un peu... Il y a aussi un point d'interrogation là, j'avais pas fait attention. Thank you.
Faut que j'arrête de regarder les promos Steam, après je me plains d'avoir trop de jeux à faire. Trouver quelque chose avec le puits. Ok. Faire sonner la cloche de l'Est, en fait, ça, c'est la route pour y aller. On est allé à la forêt, puis aux sépultures de l'avatar, puis capitaine de la garde, c'était le dernier truc. Donc pour faire sonner la cloche de l'Ouest, vieille demeure, puis inondée. Faut qu'on retourne à la vieille demeure. Quoique puis inondée, c'était peut-être pour le bouclier. Je pense qu'il faut que c'est la vieille demeure, je pense qu'il manque quelque chose là-bas. Je pense que c'est ça. Bonjour Arbousier. Le jeu me plaît beaucoup. Mais actuellement je suis perdu depuis une bonne demi-heure là, peut-être un peu plus. Un accès jardin de l'Ouest depuis où on est. L'accès du jardin de l'Ouest serait à partir du tombeau sombre, si je comprends bien. Je pense que dans le puits, peut-être, qu'on peut trouver une lanterne. J'apporte les bonnes énergies pour résoudre les énigmes. Je veux bien. Je veux bien parce qu'aujourd'hui, ça va plutôt bien, mais des fois, enfin, je sais pas, il y a des gens dans le chat dont j'ai pas l'habitude de leur message et je sais pas. Et j'ai pas envie de vous mettre mal les nouveaux dans le chat, c'est juste que je sais que je suis un peu particulier. C'est ça, soit on va looter, soit en avoir besoin de la lanterne. Je pense que pour le tombeau sombre, logiquement, on en a besoin. On est même rentré dedans et on voyait rien, donc c'est pour ça que je pense qu'on la loote avant. Je pense que là, ça veut dire qu'on en a besoin dans le tombeau sombre. Puits inondé, page 29. Je l'ai pas, la page 29, hein, si. J'ai le plan, c'est ça. Si, c'est ça. Mais je sais pas comment rentrer dans le puits. Parce que sur le plan... sur le plan qui est là... Là aussi, il me dit page 29. Salut Chris 2B aussi, je t'ai pas dit bonjour. Je vais retourner à la demeure. Hein.
Et peut-être un accès puits. Ouais, mais ça retourne là-bas, quoi. On a eu le bouclier. Direction artistique. Il est là, le puits. Sauf que j'ai l'impression que c'est plutôt une sortie et qu'on ouvre un raccourci ensuite. Peut-être que... il faut que je continue le chemin où je m'étais barré. Je vois, il y a un chemin là où je me suis barré, il y avait une tourelle. Peut-être ici. En fait, j'ai supposé que ce chemin, c'était juste pour ce morceau de manuel. Mais peut-être que si je continue... ouais, ça a l'air d'être ça. Sauf qu'il faut passer ça. Ah ! Putain. Je pense que c'est là. Et que là, dans le puits, on obtient la lanterne. Le jeu est violent, ouais. Attends, je me suis encore perdu. Je pourrais lui balancer des bombes de là-haut, lui, presque. Non mais lui, j'aime pas du tout. C'est bon, on a la suite du jeu. Si vous cherchez à augmenter votre puissance... oh! C'est des offrandes? Attaque, défense, PV... thank you.
Attends, j'ai déternu encore. La mort. Ouais, bah ça, il m'explique, mais je suis déjà mort plusieurs fois. Hein. Point de santé. Écho de soi. Oui, voilà, donc allez récupérer ça. Par contre, il y a une espèce d'image de carte ici. Je ne sais pas, parce que j'en ai looté une. Vous pouvez y arriver, chevalier du jardin. Essayez d'obtenir ce niveau de puissance. 3 en attaque, 3 en def. Avec la poussière et les offrandes, là. Alors, avant d'aller dans le puits, je vais essayer de faire des offrandes. Déjà, je vais me soigner. Faire une offrande. On passe l'attaque à 2, non ? Nice ! Ok. Eh bien, continuons. J'imagine que ça, c'est pour que les potions soignent mieux. Et ça, c'était des points de vie, je crois. Très bien. D'où l'importance de fouiller. Ah, il faut quand même donner des sous aussi, hein. J'ai encore des sous. J'ai pas fait attention à mes sous. Y a pas que les objets à trouver. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai plus de sous. J'ai 275. Ah, et je vois aussi, regardez en haut, là. Bah, en tout en haut, vers mes sous, il y a 2 sur 3. Je crois que c'est des potions cassées. Donc peut-être que si je trouve une troisième potion cassée, ça me fait une potion... genre fragment de cœur Zelda, quoi. Peut-être. Ne répondez pas, bien sûr. Vous allez vous faire ban. Merde, c'est pas ça que je voulais. Bon, tu me diras, je l'utilisais pas, mais... Bonjour Po, bonjour à la bise. Vous arrivez pile au moment où je pense faire une pause, parce qu'on a débloqué la suite. Du coup, je vais m'arrêter là. Pour YouTube, en tout cas. Avant d'explorer ce puits. Des bisous, YouTube. J'espère que tu as apprécié... Et que je t'ai pas trop trigger. À bientôt pour la suite, pour l'exploration du puits.